Allez, Béchama de tous les Hatoufim. Brim ou Shlemim. Ishmira de tout le Ham Israël, Shinishma, Vin Basser, Betsorot, Ovot. On a parlé la semaine dernière des voyages Jérusalem, Tel Aviv. Maintenant, on rentre dans la lecture de la Megillah. Alors, il faut savoir que Esther, elle a demandé au Hakamim de pouvoir être écrit dans le Tanakh. C'est magnifique ce que tu parlais, Hervé, juste à l'instant. Esther, elle a dit au Hakamim, Kitvouni les Dorot. Écrivez-moi pour les générations. Ou Kivouni les Dorot. Et pourquoi c'était un problème d'écrire la Megillah d'Esther? Parce que la Torah, elle nous a permis d'écrire trois fois la destruction d'Amalek, et pas quatre. Et si on est fixe Megillah Esther, ça veut dire qu'on a fixé une quatrième fois la destruction de Amalek. Mazé Omer, il a écrit Ketovzot Zikaron Basefer. Écrit ça en souvenir dans le livre. Vesim Beozne Yehoshua et place dans les oreilles de Yehoshua qui mahou et mehe et zekhir Amalek que je vais effacer le souvenir de Amalek. Ketovzot Zikaron Basefer. Trois fois. Il a écrit une fois, il a écrit dans Shemot. Une fois, il a écrit dans Devarim. Et une fois, il a écrit dans Yehoshua. On ne peut pas écrire plus que ça. Donc jusqu'à qu'ils ont trouvé une permission en disant Ketovzot, c'est les deux fois qu'il y a écrit dans la Torah, dans Béchalar et dans Kitetsé. Zikaron, c'est ce qui est écrit dans Yehoshua. Il reste le mot Bassefer en plus. Et le mot Bassefer en plus, on l'a libéré pour permettre d'écrire la destruction de Haman, qui est la destruction de Amalek. Magnifique. Matovumanaim, il est très bon. Chez Kol Adam Itbonen Tehila et Ilma de Pirush Megillah. Il est très important d'étudier la Megillah avant Purim. Ikara mitzvah, c'est l'essentiel de la mitzvah. Les Avin et Agdolim Hadaro Bayami Bazmanazé. Il faut pas rester. Ils disent les sages avec la compréhension qu'on survolait, comme ce qu'on a l'habitude d'apprendre depuis qu'on est petit, Hervé. Il faut rentrer en profondeur de la Megillah. Il faut qu'on essaye d'étudier la Megillah chaque année pour avoir des Hidushim chaque année. Et je peux vous garantir que quand on la lit, on l'écoute et on l'a compris comme il faut, c'est un bonheur. C'est un bonheur de venir de la comprendre. Exemple, c'était qui Mordechai pour Esther? Qui était Mordechai pour Esther? Son oncle, Son oncle. apparemment. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on a appris de là que Mordechai? Oui, allez-y. Non, on a le droit de se marier avec son oncle, non, c'est pas ça? Oui, mais ça, j'ai pas besoin de ça, Abigail. C'est écrit déjà. On apprend de là que Mordechai, il a allaité Esther. Ça, on ne le dit pas, mais c'est le Midrash qui dit. Midrash, oui. Et Esther bat Dodo. Et Dodo, il est écrit sans le vav. Ça fait Dado. Dado, c'est le sein de la femme. Et c'est écrit que quand Esther, elle était enceinte, quand la mère de Esther, elle était enceinte, son père, il est décédé. Et quand sa mère, elle a accouché, sa mère, elle est décédée. Donc Esther, elle est restée sans personne. Elle n'a pas connu un instant son père et sa mère. Et Mordechai, il a pris et il a même allaité Rabotai. C'est incroyable. I Esther bat Dodo. Dodo s'écrit sans vav. Alors on dit, bon, ça va, son oncle. Non, bat Dado, la fille de sa poitrine, le fils, la fille de sa poitrine, mais la mère que Hachem, il a fait pousser une poitrine à Mordechai pour allaiter Esther. Il faut se mettre dans les contextes de l'époque, qu'à l'époque, le Alain, nous, si un enfant n'avait pas de lait, on ne pouvait pas aller lui acheter le biberon. On ne pouvait pas aller lui acheter la poudre. Il n'y a pas de poudre. Le Alain, nous, le bébé, il meurt. Donc ça, c'est un S. Que Hachem il a fait à Mordechai. Combien de chidushim? Vaimatse katouv. Vaimatse. Les malaminate va exactement. Vaimatse katouv, c'est écrit katav. Katouv, ça veut dire quoi katouv? Katouv, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shimshi, le fils de Haman, il effaçait ce qui était écrit dans le livre et Gabriel, derrière, il écrivait derrière. C'est écrit que Rabotai, l'écriture, elle était fraîche. Ben là, il a quand il n'arrivait plus à dormir.
Achashverosh, il n'arrivait plus à dormir. Alors il a dit, emmenez-moi le livre. Et il voit le livre. C'est qui lit le livre? C'est le fils de Haman. Haman, il efface ce que Mordechai il a fait. Et Gabriel, derrière, il écrit. Tout est effrayé. Qu'est-ce qui se passe quand Haman nofel à la mita? Un Baal Kouré qui dit Haman nafal à la mita. Rav Obadiah, il est possèque. Lo yatsa yedehova. C'est pas Yotse Hervé. Pourquoi? Parce que Haman nafal, c'est il est tombé. Nofel, c'est on l'a poussé. C'est l'ange Gabriel qui a poussé Haman sur qui? Sur Esther. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Achashverosh, il sort dehors et il voit quelqu'un, un ange qui lui arrache les arbres. Et il dit, qui t'es toi? Il lui dit, je suis le fils d'Aman. Qu'est-ce que tu m'arraches mon jardin? Il lui dit, Mehila, mais Aman, mon père, il m'a ordonné d'arracher tes arbres du jardin. Et là, Ahasuerosh, il explose. Et le Chida, il demande, le Ben Ishray aussi, comment est-ce qu'un ange il peut mentir? Comment est-ce que Hachem il a fait descendre un ange du ciel qui a menti, qui a arraché des arbres alors que Ahasuerosh, alors que Haman n'a pas ordonné d'arracher les arbres? Réponse, il m'avait dit, je me rappelle Rabbi Yaakov Yosef Zatzal. Haman, il a voulu arracher le Ham Israël. Et chaque juif qui a Adam, Aetz Asadehu, l'homme, c'est un arbre du champ. L'homme, c'est une plantation. Un juif, c'est une plante. Si tu veux arracher des juifs, tu veux arracher des arbres. Donc il est parti, il a arraché les arbres. Le tzivouï qu'il a fait, combien de pirouchim il y a dans la Megillah, des pirouchim extraordinaires. Est-ce que vous savez que le minhag de se déguiser, il est écrit où? Greg, où est-ce qu'il écrit le minhag de se déguiser à Pourim? Je sais plus la vérité. Où est-ce qu'il écrit? C'est un minhag qui est kadosh ou stam? Il sort de n'importe où. Non, c'est si je me souviens bien, c'est une vraie raison, mais Ah, alors où est-ce qu'elle est cette raison? Où c'est écrit Rabotai? Alors prenez note, mes chers amis Sony, Ayakar. Prends note, c'est écrit dans le Rama Siman Tavresh Tzadik Vav, Nahagu Lilbosh Partsoufim. On a l'habitude de mettre des masques à Purim. On a l'habitude de mettre des masques. Nahagu Lilbosh Partsoufim. C'est écrit dans la Halakha. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a l'habitude de mettre des masques à Purim. Est-ce que vous savez c'est qui Haman? Hervé, c'est qui Aman? C'est un coiffeur. Avant ça, c'est qui Aman? Malek. Non? Oui, bien sûr, c'est Malek. Un descendant Aman. coiffeur. Oui, mais c'est le Shoresh de qui? On a dit c'est le Gilgoul de qui? C'est la racine de qui? Ah, de... C'est la racine du serpent. Ah oui. Aman, c'est le serpent. C'est qui Aman? Minatora Minaïndo, on apprend Aman dans la Torah. Aminaet. Est-ce que de l'arbre, cher Tzivitir, il dit le Shla Kadosh, quand on cherche quelqu'un dans la Torah, c'est d'où il a pris ses forces? Haman, le serpent, il veut nous faire fauter comment? Avec le repas. Comme le serpent qui a fait fauter Chava. Avec Aetzadat. Qu'est-ce qu'il a fait à Chava, Haman? Qu'est-ce qu'il a fait à Chava, le serpent? Il a poussé sur l'arbre. Et dit le Bnei Zahar, qu'est-ce que le mal arrive fait à Haman? Il a Il le poussé. pousse sur le lit d'Esther. Il fait son tikkun. Il fait son tikkun. Ça, il faut l'étudier, Rabotai. Pourquoi Nahagul, il bosse par Tsoufim. Esther Amalka, elle rentre chez Ahashverosh et la Shekhinah, elle s'en va d'elle. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle dit quand la Shekhinah, elle s'en va d'elle? Elle dit, Hachem, j'ai tout le temps été makpida sur Hala, Nida, Hadla Kataner. C'est qui a prié pour annuler le décret de Purim? Qui est celui qui a prié pour annuler le décret de Pourim dans le ciel? Sony? Ciel. Mon cher Abénou. Alors, le Midrash, vous dormez aujourd'hui ou quoi? Il y a un avis, il est parti réveiller mon cher Abénou. Il a dit, mon cher Abénou, va, s'il te plaît, il y a un décret en bas sur tes enfants. Il a dit, quoi, il y a un décret? Regarde si le décret, il est scellé avec. Il est scellé ou il n'est pas scellé? Il est retourné, il dit, oui, mon cher, il est scellé le décret. Il est scellé avec quoi? Avec du sang ou avec du béton? Il lui a dit, laissez-le avec du béton. Les Oumam ou l'Abedam.
Les Abedam, c'est les détruire, c'est l'eau Bedam, pas avec le sang. Il a dit, ah, il est scellé Ça veut avec. dire que le sang est plus puissant que le béton. Beaucoup plus, beaucoup plus. Il a dit, alors si c'est avec du béton, va voir s'il y a un tzaddik en bas. Il a dit, oui, il y a un tzaddik en bas qui peut prier, il s'appelle Mordechai. C'est Il a incroyable. dit. Tel un expert d'enlever les décrets. Un expert, il dit Bétard. alors comment il est, comment il... Oh là 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 là. Bétard. Moshe Rabbeinu, c'est aujourd'hui, Rabotaï, le 7 Zecher Adar. tzadik v'kadosh livracha, Moshe zecher Rabbeinu, tamod anu. il vient, il dit à Eliaou, va dire à Mordechai en bas qui prie d'en bas, et moi je prie d'en haut. Et nous deux, on va prier ensemble. Et on va annuler le Xéra. Ça veut dire, même Moshe, il est dans la Megillat Esther. On peut étudier des années, la Megillat Esther. Baruch Hashem, Rabotai, tu ne pourras jamais, jamais la terminer. Tout ça pour vous dire, je reviens à la halakha, il faut l'étudier, il faut la comprendre, il faut la vivre. Vayi bimé Ahashverosh, il y a cinq vayi bimé dans tout le Tanakh. Il y a cinq vayi bimé dans tout le Tanakh. Chaque fois que c'est écrit vayi bimé, c'est Lashon Tsar, vayi bimé Ahashverosh, vayi bimé Shefot Hashoftim, vayi bimé Yehoyakim, vayi bimé Ahaz. Vaïbime Shefot HaShoftim, Vaïbime Ahaz, Vaï Bime Ahashverosh. Il y a cinq Vaïbime, je les ai oubliés, la Gemara les cite. Et elle dit chaque Vaïbime, il y avait la famine, où il y avait Haman, où il y avait le Alénou des mauvais décrets. Mais Vaï, ça peut être bon, ça peut être mal. Et Vehaya, c'est la Shon Simcha. Voici la différence. Vaï, Vehaya, et Vayi Bimé. Ahashverosh, c'était qui? Qu'est-ce qu'il voulait, Rabotai? Ne pas construire le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'elle voulait Esther lui demander? Elle voulait lui demander le Beth Amikdash? Atratzi Amalchut. Ce n'est pas la moitié de la royauté, la Gemara elle dit aussi. C'est d'avoir chez Chotzetz, Chatzi Lachon, Chatzitza. C'est une chose qui fait écran avec la royauté. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que Ahashverosh, il a écrit une lettre au début de son règne d'empêcher la construction du Beth Amikdash. Parce qu'on est entre le premier. On est entre le premier et le deuxième, donc il a empêché de la construction du deuxième. Et donc il lui dit, ne demande pas d'avoir Cheikh Hotsetz Lamalchou. Alors la Megillah, n'oubliez pas qu'on a deux obligations à la lire, deux fois. Il faut la lire le soir et le matin. Obligation Rabotaï de la lire le soir et le matin. Il n'y a aucun hétère de dire qu'on lit la Megillah qu'une fois. Même les femmes sont tenues de lire la Megillah deux fois. Le soir et le matin. Et Rav Obadiah, il dit des femmes qui viennent que le soir et le matin, ils disent, bon, c'est pas grave, nous, on est occupés par le Mishté ou par les Mishloach Manot, etc. C'est une erreur. Et ils n'ont pas le droit de s'acquitter d'une Megillah. Il faut qu'ils s'acquittent de deux Megillah chez Nehemar, comme il est dit, Yomam, Yesavé, Adonai, Hasdo, Balaila, Shiro, Imi, Yomam, Balaila, Mismor, Chavbet, Lamnatseach, Alayelet, Ashahar, Esther, c'est elle, Alayelet, pourquoi? Parce que comme la Ayelet du matin, comme le matin c'est la fin de la nuit, Esther c'est le dernier miracle qui a pu être écrit dans le Tanakh. Après Esther, il n'y a plus de miracle qu'on a pu écrire. Celui qui était occupé dans la nuit, il n'a pas lu la Megillah. Il a un rattrapage ou pas de rattrapage? Est-ce qu'on peut lui donner un rattrapage? Hervé. Non. Non, pas de rattrapage. Kol HaKavod. Par contre, si le 14, il n'a pas lu la Megillah, parce qu'il était malade ou quoi, etc., il a le rattrapage. S'il se sent mieux de venir à Jérusalem. Voilà. Et là, c'est pas mal. Mais celui qui a raté la Megillah à Jérusalem, c'est Magnifique. fini. N'oubliez pas qu'on ne peut pas faire de repas fixe, donc 216 grammes de pain, 216 grammes de mézonot ou 54 grammes de pain avant la lecture de la Megillah. Donc il faut faire très attention à ça. Et même les femmes. Exemple, la femme va venir, va écouter samedi soir chez vous la Megillah à 8h, 9h. Elle ne peut pas faire Seouda Rivit avec du pain tant qu'elle n'a pas lu la lecture de la Megillah. Car les Hachamim ont interdit de faire une Seouda de Keva avant Ner Hanouka, avant Bdikat Hametz, avant Mikra Megillah. Même une Halakha Terabanan nous empêche de faire un repas avant. Nous, les hommes, on doit être face à la sortie des étoiles à la synagogue pour faire le Shema et pour faire la Megillah. Donc, en shum baya, il n'y a aucun problème. Rappelez ça autour de vous. Il est bon d'être mahmir celui qui a une Megillah keshera, de faire Netila et Yadayim avant de lire. Le Shaliar Tzibour, il ouvre entièrement. Ceux qui écoutent la Megillah, il ouvre au fur et à mesure. Le Shaliar Tzibour doit réveiller les gens à se concentrer
à l'écouter, ne pas rater un mot. Il faut être makpid dessus. Celui qui fait tomber la Megillah de sa main, il n'a pas besoin de jeûner, mais il doit mettre la tzedaka de la valeur d'un repas. Il dit Rabbi Haïm Vital, et je vous lis sur Rabbi Haïm Vital parce que il a une importance énorme. Regarde la sainteté de ces fêtes. Hervé, prends des notes. Prenez des notes, Rabotai. C'est énorme. Ce qu'on est en train de lire, c'est énorme. À chaque fête, il y a des saintetés et des secrets immenses. Tu dois savoir qu'il y a un nouveau monde. Les mâles dans le ciel. Il est saint et redoutable. Ce monde ne se dévoile pas en dehors. Mais Hamad Rov Kedushato, il est tellement saint qu'il ne se dévoile pas qu'une fois dans l'année. Et quand est-ce qu'il commence à se dévoiler ce Olam Hadash? Quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kiddeshanu Bemitzvotav et Sivanu Al Mikra Megillah. Et de ce monde-là, il dit Rabbi Haïm Vital, c'était la racine de la Neshama de Mordechai Hatzadik. Il faut prier beaucoup que ce monde y se dévoile pour ne perdre aucune minute. C'est pour cela que Rabbi Haïm Vital, il dit il faut aller au Mikvé. Veille de Purim, Rabotai, il faut aller au Mikvé pour se purifier parce qu'il y a comme une Neshama Yetera qui descend à Purim, et chaque seconde que tu profites de Purim, c'est le roi, Hameler, c'est Hachem, qui te demande, ma bakashater, c'est quoi ta demande, veinaten lach, et on te la donnera. Le soir, on fait trois brachot. Chez Hassan Issim, Al Mikra Megillah, chez Hassan Issim, chez Hiyanu Vekemanu Vigenu Lazmanazé. Le lendemain, que de brachot. À quoi il faut penser quand on dit chez Hiyanu? Alors? À quoi on pense quand on dit Shehyanu Vekemanu Vigyanu Lasbanazé Sony? À pouvoir permettre la bénédiction à tout le peuple Non, Israël. non, ça c'est dans toutes les bénédictions. Pourquoi c'est à la Davka? Shehyanu Vekemanu Vigyanu Lasbanazé, on pense à quoi? Oui, mais de Pourim, de quoi Pourim? Razak, acquitter le Michté, acquitter les On est Michté. arrivé à Pourim. Acquitter les mitzvot de Pourim, les acquitter, penser à les acquitter comme dans le Seder, dans un mois et une semaine, même pas le Seder de Pessah. Donc, Shehriyanou, on va penser à acquitter le Baror, on va penser à tout acquitter, le plateau, tout ce qu'il y a dans le plateau. Et bien là, dans Shehriyanou, n'oubliez pas, samedi soir, de penser à acquitter les mitzvot de Pourim. N'oubliez pas de penser à acquitter les mitzvot de Pourim. Pourquoi vous Très dites important. samedi soir, c'est pas jeudi soir? Non, c'est pas Non. jeudi soir. C'est C'est pas jeudi samedi soir soir. que vous venez là? Non, vous avez bien fait de venir, madame. Ah bon? Oui, jeudi, c'est le jeûne. Et Oui. c'est le jeûne devancé. Ah d'accord. C'est le Donc jeûne la Megillah, devancé. ce sera la La lecture, Megillah, c'est Shabbat? samedi soir. C'est à la Motseï. Où vous habitez-vous, madame? À Marseille. Eh bien, Marseille, ça va être samedi soir. N'allez pas jeudi soir, vous ne trouverez pas de lecture. Ah merci, c'est gentil. J'ai bien fait de venir. Voilà, vous avez bien fait de venir, Baruch HaShem. Mishloach Manot, Matot Levonim, bien sûr, c'est aussi dimanche dans la journée. Et donc samedi soir, c'est votre lecture. Pourquoi? Parce que le 13 Adar, on jeûne. Et cette année, le 13 Adar, c'est Shabbat. Donc Oui. comme c'est Shabbat, le jeûne est devancé à jeudi. Donc tout le peuple jeûne jeudi. Samedi soir, c'est dans tout le monde. Et dimanche soir, c'est à Jérusalem. Merci HaShem, on avance, Baruch HaShem, Baruch HaShem. Alors, il y a un sujet exceptionnel que la bracha d'après la Megillah, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Ha'el Ha'ra Vedribenu Ve'Adan Et Dinenu Ve'Hanokem Et Nikmatenu, celui qui venge notre vengeance, Ve'Hanifra Lanu Mitzarenu, celui qui détruit nos ennemis, Baruch Ata Hashem Hakel Hamoshia, se fait que lorsqu'on est 10. Et c'est le seul cas, retenez bien, où on associe les hommes et les femmes ensemble. Jamais, Maurice, 5 hommes et 5 femmes, ça compte comme minyan. Eh ben, au sujet de la bracha, de la bracha d'après la Megillah, on associe 5 hommes et 5 femmes ensemble. Et s'il y a 5 hommes et 5 femmes, oui, on fait la bracha d'après la lecture. Même Hervé, des enfants qui sont arrivés au Gil Khinour, on peut les associer. Et Baruch HaShem, cette année, quand on va dire Arourim, Areshaim, Sonei HaShem, Sonei Israël, grâce à Dieu, on a beaucoup dans la liste. Qui se sont rajoutés. Donc, grâce à Dieu, pensez bien à nos ennemis. Attention, nos ennemis non-juifs, nos ennemis qui veulent nous détruire.
Hasvé Shalom, que on pense pas aux pauvres juifs qui sont loin de la Torah et des mitzvot, que eux ne s'appellent pas des Rechaim. Attention, on ne s'appelle pas des Rechaim. Donc, que Hasvé Shalom, une partie du peuple juif ne pense pas à l'autre, que Dieu nous en préserve. Kriyat HaMegillah, il faut lire la. Excuse-moi. Oui, Rabbi Yaou. D'où on apprend que les femmes ils peuvent se joindre aux hommes pour Oh faire le là minyan pour là. cette braka? Khazak. Merci. Khazak. Merci. Alors, Kriyat HaMegillah, le but, c'est. Cette bracha, elle se fait avec 10, parce qu'il faut Pirsoum Hanes. Il faut un Pirsoum. Et il faut des gens qui sont tenus dans le Pirsoum Hanes. Et les femmes, ils sont tenues dans le Pirsoum Hanes comme les hommes. Donc, ils s'associent. Par contre, dans le Minyan, la femme, elle n'est pas tenue de prier Beminyan. Donc, on ne peut pas l'associer. Le Zimoun aussi, le Zimoun, la femme, elle n'est pas tenue du Zimoun. Donc, on ne peut pas l'associer au Zimoun. Par contre, la Megillah, que oui, elle est tenue, Inachinami. Kol HaKavod, il faut prier que le mal des Réchaïm, des Réchaïm, nos frères, partent. Je ne sais même pas si on peut dire Réchaïm, parce que Racha, c'est écrit dans les Sfarim, que Racha, c'est celui qui fait tout pour énerver, et c'est celui qui n'a pas de aucun moussak de Derech Eretz. Alors, il a dit le Rav Melamed dans ses livres Pnine Halacha que de nos jours, même les non-religieux, même celui qui transgresse Shabbat, Kippour, etc., ne s'appelle pas Racha. Ne s'appelle pas Racha. Pourquoi? Parce que du moment où il a un peu de Derech Eretz, même un peu de Derech Eretz, il a plus le titre de Racha. Donc c'est important à savoir, Hasvé Shalom, de ne pas appeler quelqu'un de Racha. Et dans tous les cas, on n'a aucun droit de venir et de maudire nos frères. Au contraire, il faut venir et prier qu'il fasse Tshuva, comme elle a dit Brouria, la femme de Rabbi Meir Baalanes, elle lui a dit, Maseret Brachot, page 10, elle lui a dit, ne prie pas que les rachats se détruisent. On ne dit pas, Itamu hot'im mina aretz. On dit, Itamu hata'im. C'est quoi hata'im? C'est la faute. On prie que la faute, elle parte, pas le fauteur. Il faut aller dans un endroit, Maurice, où il y a beaucoup de monde pour la lecture de la Megillah. Pourquoi? Magnifique. Nishum Berov'am, Adrat Meler. Plus il y a du monde, plus il y a le kavod Hashem. Sauf, si quand il y a beaucoup de monde, tu es perturbé par le bruit et tu n'arrives pas à bien écouter le bruit. Il faut bien bien faire attention que le Baal Koré sache bien lire la Megillah. Que ce ne soit pas quelqu'un qui la bâcle, quelqu'un qui sache la lire, qui sache la chanter, qui sache quand il faut répéter des fois Laharok, Velaharok, Bifnehem, Lifnehem. Il faut un expert en la matière. C'est bon de chacun avoir une Megillah à soi-même. Rabotai, celui qui lit la Megillah et qui somnole, en pleine lecture, il somnole. Il est quitte ou il n'est pas quitte de la Megillah? Oui, il est quitte. Hazak. Par contre, Il est quitte. Yosef Lavi, celui qui écoute la Megillah et qui somnole. Celui qui lit la Megillah? Celui qui lit la Megillah et qui somnole, Ah Yotzei non, Idrei. non. Je parle. Il est Non, celui qui quitte. écoute, oui. Celui qui lit, non. L'inverse, celui qui écoute la Megillah et somnole, il n'est pas quitte. Mais celui qui lit la Megillah et qui somnole, oui, il est quitte. Et comment tu veux qu'il lise et en même temps qu'il somnole? Ben, j'ai lu la Megillah, je somnole. Une Oui. minute, 2 minutes. Après, je reprends l'endroit où je me suis arrêté. J'ai Ah, une d'accord. question. Oui, Sonny. On a dit, la femme, elle est tenue à la mitzvah, c'est magnifique, et elle doit écouter comme l'homme, une fois le jour, et non, pardon, une fois le soir, pardon, une fois le soir, et une fois le lendemain. Bravo. D'accord? Donc, entre les deux, il y a un jour et une nuit, ou une nuit et un jour. Très bien. On a dit que la femme n'est pas tenue à suivre les mitzvot voués au temps. Alors, mon Comment cher ça se ami, fait c'est ici? exception. Le Seder de D'accord. Pessah, Arba Kossot, Megillah et Ner Hanouka. Les Arba Kossot, Azagoubor. le Seder de Pessah, la Megillah. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ner Hanouka, même si c'est lié au temps, la femme, elle est tenue parce qu'elle faisait partie du miracle. Et encore plus que ça, Sonny, c'était Le elle miracle est qui. arrivé par elle. Voilà. Et Rachet Comme il Tevot, pour se disait rappeler, le rat. prends le Tu note. vois. Ve'amera Aïcha, la Torah, elle dit dans Sota, la femme, elle va dire Amen. Ve'amera Aïcha, Amen. Amen. Rav Obadiah dit pour se rappeler, Magnifique. Amen.
Rachetevot, Aleph, Arba Kosot, Mem, Megillah, Nun, Ner Hanouka. Voilà les trois mitzvot qui sont tenues, que les femmes sont tenues, même s'ils sont dépendants du temps, parce que les femmes étaient tous dans le miracle. Magnifique. Alors merci Hachem. Une question Merci à extraordinaire. Vous vous. savez, Merci. ça arrive toutes les années. Tu commences la lecture et il y a une personne qui arrive. Exemple, je suis le lecteur, je commence Vayibimé, Achashverosh. Ouachashverosh, Amolech, Mehodu, Ve'ad Kush. Dès que j'y couche, il y a une personne qui arrive. Hervé, qu'est-ce que tu lui dis à cette personne? Il faut qu'elle reprenne. Est-ce qu'elle a Faut qu'elle... déjà, qu'est-ce qu'elle veut faire? Une personne, elle m'a dit, moi j'écoute toute la Megillah jusqu'à la fin, et après je vais dans un minyan que pour le premier verset. Ah. Il aurait lu à l'envers. Ah, Hazak, celui-là, il aura lu à l'envers. Maseret Megillah, deuxième chapitre. Première D'accord. Mishnah, Koret Am Gila le Mafrea, celui qui l'a Megillah à l'envers, lo yatsa, il n'est pas quitte. Alors, c'est quoi sa solution? Il prend une Megillah, il fait la bracha, vite il lit, jusqu'à qu'il rattrape Ah oui, le Shaliar Tzibour. Mais le bal torré. Mechila, 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 Mechila. Est-ce qu'il faut une Megillah Kshera? Ou même dans un chumash, je peux le faire? Non, Ou même Kshéra, dans un... Kshéra. Même Non, Chouma, Kshéra. non, même dans un Oh! Chouma, on peut le faire. Non. Discussion entre Non, Élie tu n'as et pas Marianne. le Même droit dans de un Chouma, vivre. on peut le faire. Tu n'as pas Non, le droit s'il de a vivre. lu, non, s'il n'est pas arrivé au moins à 50%, même dans un Chouma, je peux le faire et après il récupère le Chazan. Incroyable. Ça veut dire que tu vois quelqu'un, il est arrivé au Perek Bet. Maurice, il arrive au Perek Bet, il n'a qu'un chumash. Ouais. Il peut faire les brachot et lire avec son chumash jusqu'à qu'il rattrape le Chazan. Oui. Et toi, Élie, Hervé, Hervé. Eliaou Belaïch, tu dis quoi? Je crois pas. Je crois pas. Eh bien, tu as bien fait de venir, Hervé, parce qu'il a raison, Maurice. Je crois Il a raison. Même pas. Quand dans un chumash, tu peux le il lève faire. le ton, Maurice, c'est que c'est bon. Khazak Bravo, Baro, bravo. Maurice. Toi, tu lui dois Est-ce que le... le lecteur, il pourrait reprendre la lecture depuis le début? Oui, bien sûr, il pourrait reprendre. Mais bon, mais après ça, mon ami Greg, c'est Torah Tzibour. Torah Tzibour, tu vois, tu ne peux pas déranger tout le monde à reprendre pour une personne. Les gens, il faut qu'ils apprennent, l'heure, c'est l'heure. On leur a donné 1 heure de Megillah, il faut qu'ils Oui, arrivent à bien l'heure. sûr, bien sûr. Ok. C'est important, après, toujours, on tarde 5 minutes, 6 minutes, mais on ne peut pas... Mais c'est terrible, ça. C'est important. Ve'atem taharishun, asur le daber be'ait kriyat ha-Megillah. Interdit de parler dans le kriyat ha-Megillah. Tout le monde, ve'atem taharishun, on se tait. C'est quoi le cas où, en pleine lecture de la Megillah, on fera tous une interruption, on sortira tous de la synagogue pour une interruption? Pour la mort, Birkat non? Alevana. Non. Mashiach. Non. Birkat Alevana, d'après Benjamin. Birkat Alevana, Binyamin, il a une mémoire phénoménale. C'est le dernier soir de Birkat Alevana. N'oubliez pas, Rabotaï, ce soir, c'est le premier soir. Voilà, Binyamin. Abigail, dis-lui, on a bien fait de ne pas faire hier soir. Baruch HaShem. Non, Tu vois, j'ai vérifié, non. je suis rentré à la maison, j'ai vérifié. Parce que c'est Moi ce j'ai fait, soir. oh là là, j'ai fait. Oh là là, mais c'est pas possible. Ouais, mais c'est dangereux. Et là, voilà, il y a plein de nuages d'orage d'os. Non, J'adore, non. j'adore. Non, Bien Mehila, c'est les Ashkénazes qui font ça. C'est un Safek Bracha Levatala. sûr, bien sûr. Nous, on fait 7 jours après le Molad. Les Marocains font, bah, c'est pas Mais Ashkenaz, c'est Rida. c'est les Les Ashkénazes. Marocains font. C'est le Rama, c'est dans le Shulchan Aruch. Il n'est pas d'accord avec ça, le Shulchan Aruch. Mais ça Mais dépend le temps, papa. Non. L'hiver, c'est compliqué. C'est pas marocain, Philippe. Ni Marocain, ni Ashkénaze. Je ne vois pas c'est quoi le problème. Bon, fais attention, fais attention. Maximum, tu serais parti à Eilat si le dernier soir il fait beau là-bas. Tu vas jusqu'à là-bas pour lire, faire Birkat Alevana. Donc, Birkat Alevana, c'est ce soir. En général, ça s'arrête le soir de Pourim. On va dire que c'était couvert jusqu'au soir de Pourim. Et d'un coup, le soir de Pourim, en plein Kriyat HaMegillah, on dit Birkat Alevana! Birkat Alevana! On sort tous pour faire Birkat Alevana. Ridouche extraordinaire. On sort tous, on fait Birkat Alevana sans tous les Yiratson, etc., les Shem Yehoud et tout, que la Bracha. Et après, on revient compléter la lecture de la Megillah. Autre chose où le Baal Kori doit s'arrêter, autre chose que le Baal Kori doit s'arrêter, Rabotai, c'est quoi? C'est une erreur, s'il y a une faute dans le. Oui, bon, ça c'est évident. S'il y a trop de bruit.
C'est du C'est bruit du pour les enfants. Non, pour le tonnerre et les éclairs. Oh. Le tonnerre en pleine Megillah, il dira à Obadiah, le Baal Kori doit s'arrêter pour faire la bracha du tonnerre. Incroyable ça. Oui, Chidouche, Magnifique, monsieur magnifique, Philippe, monsieur magnifique, Moshe, Lama, magnifique. à Corée est un Le bruit Megillah des au bout de enfants, c'est une Torkar. bénédiction. Bétard, Shamar et Amim, si tu entends le tonnerre, tu t'arrêtes. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam. Et tu reprends tout de suite la kriya. Parce que c'est une lecture, c'est une bracha qu'on n'a que 3 secondes pour la faire. Et comme on n'a que 3 secondes pour la faire, alors, Rabotai, on ne peut pas dire eh, j'attends la fin de la lecture et après je la fais. C'est fini. Quand on dit il faut élever la voix dans Ameler parce que ça fait allusion à Hachem. Là, il dit. Excuse-moi, mais pourquoi? Quand on fait une mitzvah, on n'est pas trop de mitzvah aussi. C'est Bravo, mais ça pareil c'est. pour les clercs. On sait que ma mitzvah pas tourner la mitzvah, c'est quand tu ne peux pas faire les deux. Mais quand tu fais les deux, Tosfot, il dit, bah, c'est Retsuka, page 27, 25, on sait que ma mitzvah pas tourner la mitzvah, si tu peux faire les deux, tu es obligé de faire les deux. Oui, mais tu as dit qu'on n'a pas le droit de s'interrompre. Mais non, on n'a pas le Pendant droit de la lecture s'interrompre de Megillah. pour un efsek, mais ça, c'est pas un efsek, puisque c'est un efsek pour faire une mitzvah. Et c'est Assour, maman, je s'interromps de parler, Assour. Assour, bien sûr, Assour, c'est Mais évident. et pourquoi étant donné que bon, Oui, ça d'accord. suffit de rattraper sur le petit livre. S'il reste qu'une demi-heure avant le coucher du soleil, où on s'occupe d'un mort, où on lit la Megillah, qu'est-ce qu'on fait? S'occupe de mort. Eh ben non, Maurice, on écoute la Megillah. Incroyable ça. Tu vois, tu as étudié la Impressionnant. Gemara, tu as Magnifique, étudié la Gemara magnifique, sans la magnifique. Halakha. Tu as étudié la Gemara sans la Halakha. La Gemara, elle a dit, le mort, il passe avant la Megillah. C'est écrit dans Shulchan Aruch, quand tu as le temps de faire les deux. Mais si j'ai pas le temps de faire les deux, la Megillah, elle passe avant, parce que le mort, je vais pouvoir m'en occuper après la sortie des étoiles. Alors que la Megillah, je vais pas pouvoir, c'est fini, la Shkia, elle passe, je dois attendre l'année prochaine. Eh oui, Tu vois, c'est important eh de oui. se... Pshh, extraordinaire, la Yudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, quelle fête exceptionnelle. Hameler, on hausse un peu la Amen. voix. Ora. Pourtant, on aurait pu penser, pardon, on aurait pu penser qu'on priorise une mitzvah qui est plus fréquente qu'une mitzvah qui est moins fréquente, Non, mais de ceux-là, celle de s'occuper ils ont d'un rien à mort. voir les deux. Tu vois, ils ont rien à voir les Oui, deux. C'est parce que c'est deux mitzvot. il faut que je puisse, en fait, Sony, voir quand je vais pouvoir faire les deux. Exemple, si je suis 2, 3 minutes avant la tombée de la nuit, et c'est On est Shabbat, j'ai pas fait prédisposé, Mincha, on est prédisposé à. j'ai pas fait Mincha et j'ai pas fait Moussaf. Qu'est-ce que je fais? J'ai le temps de faire ou Mincha ou Moussaf. Je fais quoi? Mincha. Faux. Mincha. Moussaf. Ah, bravo. Parce que Mincha, je vais pouvoir faire deux harvit. Alors que Moussaf, c'est impossible. Il n'a pas de rattrapage, Moussaf. D'accord. Très bien. Pour la Z, carotte. la Yehudi, la Yehudi. Hayeta ora, vesimcha, vesason, vikar. Quand tu dis ora le matin, eh ben, le Shaliar Tzibour, il touche le Sefer Torah qui est sur la Teva. Et quand tu dis vikar, tu touches les téfilines. Et tu embrasses les téfilines. De Yad et de Roche, et tu les embrasses. Et si tu as ceux de Rabbeinu Tam, tu embrasses ceux de Rabbeinu Tam. Pourquoi, Rabotai? Parce que Ora Zotora, Vikar, Elou, Tefilin, même les Tefilin, il a voulu nous enlever Haman. Les 10 enfants d'Haman, tu dois les dire en un seul souffle. Pshh, tu nous avais dit quoi l'année dernière, Maurice? Non, je me Si rappelle. on Tu ne nous peut avais dit. pas, on peut les couper, si on ne peut pas. mais tu avais dit, Maurice, de peur qu'ils aillent à Bagatz faire appel. Ah, ça a cru, Tu te rappelles pas? Alors, c'est toi qui avais dit ce chidouche. Eh ben, c'est non, Rav mais Omri. j'avais entendu de quelqu'un qui avait dit que c'était Rav le Avraham nom. Youssef. Tu aurais Voilà. écouté de Rav Avraham Youssef à la radio. Comme ça, tu nous avais dit, on peut C'est ça. écouter l'enregistrement. Voilà, comment. Donc, il dit, Rav Obadiah, il disait pour rigoler, bien sûr. Il a dit pour ne pas le temps qu'ils aillent faire appel, on les lit vite, vite, vite pour les condamner. Bref, c'était Rav Obadiah, il dit ça pour réjouir, bien sûr, les gens. Des milta, des bdikhouta. Si on ne l'a pas lu, Chamous, Ouzan, Hayakar, si on ne l'a pas lu d'un coup, on est yotzé et dehoba. Mais le Baal Kori, il doit faire attention parce qu'il doit lire les mots. Et tu sais, les véhètes, ils sont de ce côté. Et les 10 enfants d'Aman, ils sont de ce côté. Donc, il doit faire comme ça. Tac, tac, tac. Vet Parshanda, Tavet Dalvon, Vet Aspat, Tavet Torah, Tavet Adel, Tavet Arita, Tavet Vaizeta. Il faut lire et il ne faut pas rester concentré sur les enfants
et lire les vedettes par cœur. Ah oui. Tu vois? Ça, c'est une chose à faire attention. Quatre psukim, on lit tous ensemble. Ishi Udiya Yabishushana Bira, Balaila Aoun Adeda Shenata Melech, Mordechai Yatsamilifne Amelech, La Yudim Aitora Vesimha, et le dernier morceau de la Megillah. Merci Hachem, Rabotai, merci Hachem pour tout. On avance, les femmes, ils sont tenues de lire la Megillah. Je Une femme, est-ce te que. pardonne. Oui. Je dis arrêtez, Véhémet. À chaque fois, j'ai des problèmes pour les 10 enfants de la manne. C'est tellement que ça va vite. Et le Corée, il lit, on n'arrive même pas à comprendre. Véhémet, C'est vrai? moi, ça me perturbe parce que des fois, on va tellement vite faire que ça devient incompréhensible, même quand on entend, quoi. Ah, moi, Mais je suis jamais attention, touché. attention, si Je Hasvi Shalom, sais. tu n'entends pas, c'est tu dois lire toi. Je crois que c'est vraiment marocain. C'est pas possible, Je ça. Non, te promets que normalement, je tu suis en dois paix avec lire. toi. On le lit. Vehet Parshandat, Avet Dalfon, Vehet Aspat, Avet Porat, Avet Adel, Yavet Arita, Avet Vaizata, Seret, Ben Amedata. Tu as le temps de prendre un souffle et de lire les 10 bien. Ça ne doit pas être si compliqué que ça. Après, tu n'as pas lu les 10 dans un seul souffle. Yatsaïd Hova, c'est pas grave. Est-ce qu'une femme peut lire à son mari, ses enfants, ses parents? Elle peut leur lire la Megillah? Oui ou non? Oui. Azak. Oui, sans problème. Si une femme, elle sait lire, Elle peut même écrire la Megillah. bien sûr, elle peut lire la Megillah sans aucun problème. Enchumbaya, elle peut lire aux femmes. Le seul problème qu'on a, c'est que les hommes, on ne peut pas écouter une femme chanter. Et si c'est une, c'est, donc si c'est un minyan de femme, elle peut lire la femme, la kriyat à Megillah, sans Elle peut aucune. écrire la Ah, il y a Megillah? écrire la Megillah, est-ce qu'elle peut l'écrire? Oui, il me semble que oui, si ma mémoire est bonne, oui. Parce que dans la Megillah, la femme et l'homme, c'est la même chose. Ils ont fini d'écrire une Megillah à Gaza, Baruch HaShem, il y a un sofer qui est en Milouim, qui a fini d'écrire la Megillah là-bas à Gaza, il va leur lire à Gaza. Ils ont fait passer comme message, je ne sais pas si j'ai entendu Rabbi Meir cette année, pendant avec le Megillah, c'est que les pétards de ne pas abuser, Nahon, que s'il y a des Nahon. dans les grandes synagogues, hein, s'il y a des Hayalim qui sont là-bas, ils ont eu un certain traumatisme de Gaza, ils n'arrivent plus à supporter des trucs. Donc ils Bétard, ont mais tu demandé. rigoles, même si le Alenu, ça fait peur à une personne. Yatsa Sraro Bfcdo, c'est des ch'touyot. C'est des Bien ch'touyot. sûr, papa. Et ils ont dit Et les également des. pétards n'ont aucun mécor dans la halakha, donc c'est Mais bien sûr. purement des choses à annuler. Bien sûr. Et ils ont dit également d'éviter que des adultes s'habillent en arabe. Bravo. Eh oui. Bien sûr, on va pas se déguiser en nos ennemis. Non, de peur que Khazé Shalom, un khayal, quoi ça. J'ai Ils compris. sont dans une. Eh ouais. Bien sûr, bien sûr, Ils bien sont sûr, bien sûr. dans un système de self-défense très sensible, quoi. Vraiment. Alors, Abotaï, encore deux petites choses pour finir pour aujourd'hui, avant de rentrer dans la semaine magnifique de Pourim, Odoul Hachem Kitov, du jeûne d'Esther. N'oubliez pas la tfila du jour de Pourim, du jour du jeûne. Il dit le Kavayachar, celui qui a un malheur, le Alenu, qui prenne un moment le jour de Taanit Esther, qu'il allume deux bougies, une pour Mordechai, une pour Esther. Il est bon que les bougies restent allumées jusqu'à Motsaé Pourim, à l'huile d'olive. Et tu lis l'Amnatseah Mizmor, l'Amnatseah Alayel et Tachahar, Mizmor les David, et tu verses ton cœur devant Hachem. Parce que le jour de Taanit Esther, c'est un jour de tfilote. N'oubliez pas qu'il n'est pas du tout bon de venir habillé en habit de semaine à Pourim. Il faut mettre les habits de Shabbat. Il faut mettre des beaux habits. On ne prie pas avec des déguisements rigolos de Leitzan ou quoi. On prie qu'avec des déguisements Mechoubad. Celui qui n'a pas un déguisement qui est Mechoubad, il le laisse pour le bicheter, pas pour la tfila. La tfila, c'est Omed l'ifne Amelech. La Megillah avec le Ramkol, c'est le micro. Si sans le micro, tu peux écouter, alors ça marche. Si sans le micro, tu ne peux pas écouter, c'est pas bon. En Zoom ou la Megillah en direct, les Khatrila, c'est pas bon. On n'est pas yotze, il faut pirsoumenissa, il faut aller. Mais Moshe Feinstein, il dit à vos bâtis, un malade. Une femme qui a accouché à l'hôpital,
des gens qui sont dans les maisons de retraite, les pauvres, on n'a pas pu aller leur lire. Et ils ne peuvent pas lire la Megillah. On va dire un cas de force majeure. Eh bien, ils mettront la Megillah en direct de la synagogue. Et ça va marcher, c'est mieux que rien. Ils pourront même répondre Amen. Mais attention, Rabotaï, que ça soit en direct. Pas que comme les radios, il y a des radios, ils te font passer la Megillah. Hein. Toutes les années, la même Megillah. Le rabbin, il est déjà dans le Olam Haba. Et tu écoutes la Megillah, tu dis comment il y a eu Triat HaMetim? C'est pas possible. Là, c'est pas Yotzei Yedehova. Et là, c'est assourd de répondre Amen. Faire attention, ça peut être Amen Yetoma, Hasvei Shalom. Donc ça, c'est important aussi quand on revoit les cassettes des mariages, Maurice. Et on veut répondre Amen. Parce qu'on est dans le. C'est assourd de répondre Amen. Si ce n'est pas en direct, on ne répond pas Amen. Si tu es mitraber sur un live, et le live directement, voilà, comme au temps du virus, on est en live, alors là, oui, c'est mieux que rien. Purim ou Yom Tov. Purim, c'est un jour de fête. Et si c'est un jour de fête, il faut venir habillé en habit de fête. Une chose très importante pour vous, que la Megillah, c'est samedi soir, vous allez couper la Havdalah en deux. Vous allez faire la Havdalah après la Megillah. Mais Boré Méoréhaëch avant la Megillah. Donc Boré Méoréhaëch avant la Megillah. Megillah. Arvit. Et après, quand vous allez Pourquoi? arriver. Quoi? Pour prioriser d'abord l'âme, pour faire Oui, d'abord du oui. bien à l'âme avant de Parce qu'on fait Chazak Boré Boré. Méoréhaëch toujours en premier C'est dans la pour pouvoir synagogue. étudier. Exactement, pour la synagogue. Bravo. Maintenant, Chazak Boré. quand tu arrives à la maison, il faut faire toute la Havdalah. Sans Boré Méoréhaëch. Et la femme après qui n'a pas écouté Boré Méoréhaëch, elle fait seule Boré Méoréhaëch, pas en plein milieu. C'est mieux ça pour ne pas créer de Hefsek. Hazak Obaou Rabotay, n'oubliez pas que Purim, Pardon. oui. Il faut manger la viande, pardon. Ah, micheté sans viande, c'est pas un micheté. Mais moi, c'est Alaha, c'est obligé la viande. Alaha, micheté sans viande n'est pas un micheté. Mais pourtant, ce n'est pas un jour de fête de Yom Tov Eh comme bien, c'est ça le quand chidouche, c'est Simcha, la on est Yudhima Itaora obligé. Bisimcha. En simcha et la bebassar veyaïn. Il faut boire le vin, Incroyable. vin et Amen. la viande. Vin et viande. Vin d'Eretz Même Israël si on dans le prépare le kasher. poisson, même si on Même si prépare on le préfère poisson, le pardon. poisson, il n'y a pas de micheté avec du poisson. Le micheté, c'est de la Incroyable. viande. Incroyable. Ah oui. Femme seule aussi, bien sûr, elle peut faire la Havdalah. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est important, Rabotaï. Et n'oubliez pas que Hameler, c'est Hachem. Et le Ram Israël, c'est Esther. Et il lui dit, Mabakashater, qu'est-ce que tu demandes, Vinaten Lach? Donc c'est un moment de prière, il ne faut pas perdre cette journée en vain. Il faut essayer de prier. Celui qui peut être au Kever Rachel, encore mieux, Baruch HaShem, on organise Mincha, chez Rachel Imenu. Mincha de Purim, les gens ils versent. Il y a des kolélim qui ouvrent à Purim toute la nuit pour étudier toute la nuit. Parce que ce n'est pas un moment de perte de temps. C'est un moment où chaque seconde, il a une valeur immense. Donc Be'ezrat HaShem Yitbarach, chez Niske Venahaforu, on fasse un michté exceptionnel. Et de cette joie-là, on puisse se rapprocher d'Hachem, qu'Hachem nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bemera Beyamenu Amen. Hazak u Barour. Amen. Akobaro, Akobaro.